Et pouf, pouf, pouf. Bonjour tout le monde. Pop, 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 pop. Hop, comment allez-vous? J'espère que ça va bien et que vous êtes en pleine santé, en pleine bonne santé. Moi ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors j'ai eu 2-3 jours difficiles. Mais hop, allez, on installe tout. Salut. Salut à tous ceux qui sont là. Salut Gilles. Salut Jinchi. Salut Mimi. Salut Lynn. Salut Edgy. Salut. Aïe. Oula, c'est compliqué. Ezuru Carré. Qu'est-ce que j'ai fait de mon mouchoir? Donc ça va être un peu live ASMR. Reniflement, éternuement, tous les trucs en manque. D'ailleurs, je n'ai pas pris de réserve de. Ah, bon, tout à l'heure, on fera une pause. Faut que j'aille me chercher des mouchoirs. J'ai le nez qui coule. Ah, j'ai le nez qui coule. Bon, j'ai bien morflé. Un petit rhume comme on les aime bien. Là! Je sais pas ce que c'était. Mais 2-3 jours. À rien faire devant la télé et devant l'ordi. Ah, j'ai découvert un petit jeu tutu pampan où il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça m'allait très très bien. Des mouchoirs ou un seau. Ah ouais. Ouais, bah c'est l'époque des maladies, hein, avec le temps qu'il fait. Un coup il fait 20 degrés, un coup il fait. Ce matin il gelait. Paf. Là il y a du soleil, il fait 20 degrés au soleil. Ouais, j'espère que vous avez pris votre petit goûter. Moi, je viens de le prendre là, et puis je suis en train de finir mon. Alors, c'est pas un lait chaud, c'est mon thé. Ouais, je dois pas être. J'ai des petits yeux. On va pas faire un grand live. On s'arrêtera à 18h, hein, comme d'hab, pour laisser la main à Roi Louis. Et puis parce que je pense que ça sera pas mal pour moi. Ça sera pas mal. Par contre, après, bon. Moi je pars en vacances, donc je pars demain, je vais faire un peu de route, donc c'est pour ça qu'il faut que je me repose et tout encore. Demain je devrais être en pleine forme, hein, par rapport à hier, aujourd'hui je suis pas mal, donc demain ça devrait aller beaucoup mieux. Ouais. Oh, salut Ekichi! 5 mois de bonheur, et eh ben merci, 5e mois d'abonnement, un gros bisou, et puis merci pour le soutien, 5 mois de bonheur. Pop, 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 pop. Ça me fait chaud au cœur. Donc je pars en vacances une semaine, donc je pars demain et normalement je fais la route de retour le lundi pour éviter le week-end. Mais le lundi soir je pense que je liverai pas hein, parce que je vais être complètement cuit. Donc par contre je referai pareil un petit live le mardi dans l'après-midi. Et ben merci Kishi. Donc oui, on se refera le live du lundi, on se le fera le mardi, et puis donc ça sera du Holy Cube, on démarrera avec du Holy Cube. C'était impeccable ces 2-3 jours là, j'ai fait une petite Alps. une petite pause Minecraft, ça fait pas de mal. Allez, on revient sur le. Ben, on va faire du modé, mais vraiment tout doux. Ils ont resetté le monde. Alors j'ai même pas vérifié, j'espère que je suis toujours whitelisté. Ouais, j'espère qu'il va y avoir du soleil. Donc, ils ont resetté le monde. On repart sur une map vierge à zéro. Il va falloir recréer une île. Et donc, on va redémarrer les 2 premiers épisodes. On avait vu ce qu'il fallait faire. On va redémarrer doucement. On va se faire peut-être une petite maison. Petite maison en terre. Non, la terre, c'est précieux, hein, sur un bloc de ciel. Ouais, skyblock. Ciel de bloc ou bloc de ciel? Comment on pourrait traduire ça en français? Salut Yacine, salut Xtra 80, ouais, vive la Somme. Tout tout tout, don't fear the creeper. N'effrayez pas le creeper? Bon, c'est pas ça. Bloc céleste. Ah, bloc céleste, c'est pas mal, ouais, bloc céleste. Ouais, puis comme c'est Skyblock, c'est pas Skyblocks. Oula! Pourquoi je.
C'est quoi ces petits ding ding ding? Ah, c'est parce que j'ai eu les bouquins. Create an Island. Island slash Island for help. Ouais. Ah, Xtra, c'est pas la somme. 80, c'est ton année de naissance en Belgique. Ah, zut. Ouais, je suis un peu déformé. Donc, c'est donc par défaut. Ah non, là, je suis au spawn. F3. Ouais, je suis en 0, 0. Donc, il faut que je me crée mon île. Donc, par défaut, il crée une île Gog. C'est-à-dire une île Botania. Sinon, je crois qu'il faut taper autre chose pour avoir une île avec un arbre. Et pas Botania. C'est vrai que comme dans l'état où je suis, à ce qu'il y a, c'est que je connais pas les options. Je sais pas ce qu'il faut taper. Ah, c'est grâce. Je vais peut-être pas aller faire le cacou dans l'état où je suis. Oh, quoique. Quoique. Je suis en train de chauffer d'un coup là. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je le sais pourquoi, mais. Allez, on se crée une île. Slash Island. Créate. Et c'est le gars, il papote, tout ça. Je fais un skyblock. Déjà, il passe une heure pour créer son île. Pop, pop, pop. Bon, allez, on crée une île. Une île sans arbre. Une île de. Meet the Beatles. Les Beatles, les vrais. Allez, hop. Ouh. Ouh, 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 ouh. Ah, bah déjà, apparemment. Bon, bah, j'ai eu un arbre, hein. Visiblement, qu'est-ce que j'ai. Ouais, ces bouquins-là, ils m'enquiquinent, hein. Poc, 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 voilà. Alors. Alors, j'espère que. Il y a de la terre en dessous, hein. Ouais. Quest complète, beginning. Bon, bah, apparemment, ils ont changé. Donc, si on met rien, on a un arbre. On a un. On a un monde avec un arbre. Alors par contre. Oh. Alors j'ai tous les contrôles qui sont pas bons. Pourtant je l'ai repris. Ouais. Strat left. Strat right. Backward. Ah non, c'est bon. Oh là, qu'est-ce que j'ai tapé? Backward, c'est ça. Strat left. Ouais, non, c'est. C'est la fatigue. C'est. Ouais. Ça ira mieux demain. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ah, du coup, j'ai pas de. Ah ouais, j'ai le minimum de chez minimum du coup. J'ai juste une tranche de terre et puis la bedrock. Ouh là là là, mais ça va être beaucoup plus dur que dans l'autre parce que l'autre, j'avais tout de suite du fertiliseur et tout ça. Où est-ce que je suis au niveau coordonnées? 500, 500. Ouais, je dois être un des premiers. Alors normalement, ils vont plus resetter le monde. Vont plus le recéder. Allez, premier mouchage. Si je remets pas le micro, ça va pas marcher. Hein. Ah, on compte les mouchages. Ouais. Allez, je mets une croix. Non, pas une croix. Je vais mettre un petit trait plutôt. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit trait à chaque fois que je me mouche. Un petit bout de chocolat qui reste. Ça, c'est cool. Bientôt la pliade extra. Je sais pas si je vais faire de la pliade. Ah, j'ai oublié comment ça se prononçait. Ah, j'ai refait une remise à zéro du cerveau. Non, on va twerker. Twerk, twerk, twerk. Ah voilà,
twerk, 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 twerk. Ce qu'il y a, c'est que la nuit, peut-être que ça pousse pas. Twerk. Allez, twerkons. Twerkons, mes frères. On va déjà se faire une table de croft. On va la mettre sur le côté, ça va déjà étendre le truc. Pop. Oula, jolie la table de craft. Oh, joli bug. Ça s'appelle en anglais craft table. Ouais, elle est là. Crafting table. Pourtant là, elle s'affiche bien, correctement et tout. Mais j'ai le texture option ressource pack default. Pop pop pop. Je suis en default de chez défaut. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres comme ça. Bon, heureusement que c'est une bêta. Donc on va signaler ça à l'ami ML. Alors, texture. Crafting table. C'est les carrés mauvais noir. Les mauvais noirs. Ouais, salut Doc Tesla, salut Carco. Hop, allez. Bon, le principal déjà c'est qu'elle marche. Est-ce que j'ai de quoi me faire une petite hachounette? Ouais, parce qu'on va quand même pas se couper ça à la main. Allez, tac 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 tac. Et puis après on va se faire un peu de lumière parce que option vidéo setting brightness. Allez, on va le mettre à 80%. Ouais, c'est un peu mieux. Hop, hop, j'en ai récupéré un peu. Hop. Salut Olivier. 12005. Allez, twerkons. Twerk, 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 twerk. Ouf, pardon madame. Le twerk il m'a l'air de mieux marcher que dans leur première version. Enfin, je le twerkais pendant des heures. Je sais pas qui a fait le suivi, je vois pas le retour du truc. Oh, qu'est-ce que tu me fais encore Puis j'ai un œil qui cafouille. C'est Skippy le barbare. Je connaissais Skippy le kangourou. Une très très vieille série. Mais alors le barbare. Donc, ah bah si, ça vient de s'afficher. Merci à toi, merci pour le suivi. Salut à toi, installe-toi doucement. Ici on fait du modé, mais alors du modé pépère. Surtout aujourd'hui. Oh, deuxième mouchage. Je vais couper le son. Je vais vous épargner ça. Hop, voilà, donc c'était le deuxième mouchage de l'après-midi. Ouais, j'ai un œil qui marche moins bien que l'autre. Faut que je me méfie quand même. Hein. Mais bon, on va pas se surmener. Par contre, je récupère pas les. On va s'augmenter là. Attends, alors, hop. Voilà, on va se récupérer du pebble, du gravier. On va se faire une sympathique petite plateforme. Un four peut-être pour faire du charbon de bois pour faire mettre des torches, ce sera plus sympa. Et hop, allez, ouais, oh, j'aurais fait que 63, j'aurais pu faire 64. Hein. Allez, 15, pop, 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 15, on va pas aller bien loin, mais bon, on va déjà faire un four, pop, et puis hop,
déjà de pas tomber. Pas essayer de pas tomber. Ah, revoilà le jour. Ta-ta-ta-ta. Allez, on va s'en refaire un peu. Touche majuscule et clic droit. Salut Neastem, merci pour le suivi. Alors Olivier écrit, vidéo a le même souci avec la table et comme elle était à son stream, il l'a vu. Ah ok, bon. C'est probablement un changement d'idée, un truc dans ce style là peut-être. Après on pourrait se faire, après on se fera une table... table de Tinker en fait. Hein. Dès qu'on en aura plein, pop. Parce qu'elle est sympa, si ça existe toujours, il suffit de reprendre une table de craft, voilà. Et on a une crafting station. Elle est sympa la crafting station parce que je crois qu'elle garde en mémoire. Enfin, voilà. Elle est encore plus jolie qu'en 1.7 maintenant. Là. Oh, c'est mignon. Oh, oh, oh. Vache, pas d'abri. Alerte. Ouais, donc on les voit là. Oh, c'est mignon. Pop. C'est trop mignon. Allez, bah on se prend de la flotte, hein, c'est déjà ça. Salut Yoda le maître. Bon, on s'est déjà fait un premier rang. Allez, on se fait un deuxième rang. Donc là du coup. Oh oh. Ouais, c'est pas se planter. Ah ouais, j'aime pas ce mode qui affiche l'inventaire là. Ça bouffe tout l'écran. On l'avait déjà avec le projet rouge. Enfin le paquet rouge. Du coup ce truc là on va le dégager et puis on va le remplacer par. Clic droit, clic droit. Oh, j'ai oublié d'enregistrer. Bon bah tant pis, je récupérerai le truc Twitch. Oh, j'ai pas toute ma tête moi. On va en faire masse hein. Alors il est pas encore dispo Drac, salut à toi. Le mode est pas encore dispo parce qu'il est en bêta, donc on est en train de le tester. Et dès qu'on remontera plus de problèmes, de soucis, ML et Al-Qassim le rendront public. Ah oui, j'ai fait un four. Ouais, c'est le gars futé. J'ai fait un four et j'ai transformé tous mes troncs d'arbres en planches. Ah, oh, le boulet. De l'autre côté, je vais mettre un coffre. Bah, pour la peine, je vais faire des coffres. Pour ranger mon brin. Toc toc. Voilà. Et déjà tous les bouquins. Pop pop pop. On va aller se regarder le bouquin de quête. Oh West. Alors ça il a fait des changements. Ouais. Oh là, il y a du monde. Béguinage, Botania, Mystical Agriculture, Roost. Roost c'est les poulets. Seed collection. Oh vache. Extra utilities. Astral sorcery. Tomcraft. Ah, ils ont pas encore fait les liens. Hein. Ouais, c'est ça. Le bouquin, il est pas fini. Hein. C'est une bêta. Merci pour le suivi, Yoda. Donc, pourquoi j'ai des petits points d'exclamation? C'est pour me dire que j'ai fini une clème. Je peux clémer. J'ai fini une quête, une quête. Et je peux clémer un revard. Ah ouais, là, c'était ça, le truc. Alors, je prends le premier, le deuxième ou le troisième? Salut Orion. Et salut Fredo. Coucou la télé, on n'est pas mardi. Bah si, mais... justement, mardi, c'est modé. Troisième interruption.
Alors, je cherche pas grand-chose à chaque fois, mais on va le noter, troisième petit trait. C'est pour pas que le pas que ça reste dans le nez en fait. Alors, bon, quand je sais jamais, je prends celui du milieu. Hop. Clem. C'est bon? Ah, il est là. Alors, j'ai un extreme package crafter. Rare. C'est un package avaricien. Extreme package crafter. Po, 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 po. Bon, je connais pas du tout. J'ai fini une clem. Non, une quest. Mais salut Clampin. Ouais, bon courage à toi. Alors, apparemment j'avais d'autres. D'autres. Comment je retourne? Back. Bebok. Je le passerai en français après, hein, parce que moi je joue toujours en français. Alors, Astral Sorcery. Ah, on a le bouquin donc. Allez, celui du milieu. Clem. Mantine. Et salut MaxTuber. C'est marrant ça comme pseudo. Et merci pour le suivi. Alors, on va se l'ouvrir. Oula! Ah, c'est Project Red Illumination. C'est sympa, Project Red Illumination, ça fait des lumières. Inverted Yellow Fixture. Inverted Yellow Lanterne. Inverted Yellow Fallout Light. Et Inverted Yellow Cage Lamp. Ça, je les avais utilisés dans le Titanic. Du coup, on va pouvoir se mettre de la lumière, bah, style. Oh, une lanterne. Voilà. Oh, ça me bagnore. Ah ouais, j'en ai plein en plus. Oh ben, pas besoin de faire de torches. Du coup, j'ai pas besoin de cramer de. On va les utiliser, hein. Nickel chrome. Alors, j'avais une autre quête que j'avais terminée. Oh là là, Et on est en train de rusher le modpack là. Environmental Tech. Ouh, oh. Allez, Clem. Je trouve que c'est un peu cheaté. Oh là, sympatoche. C'est tous des trucs de Bibliothecraft. Oakwood, Fancy, Creative, Bookcase. Oh là, j'ai tout le truc pour me faire un bureau. Bon, ben, pas le choix, je vais être obligé de faire une petite maison pour mettre tout ça. Alors, bon, ben, pop, pop, pop. Non, ça je le garde. Non, ça je le garde. Pop, 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 pop. Allez, on va agrandir notre petite plateforme en essayant de ne pas tomber. Tiens, du coup, il y en a un là-bas de. Ah, bah là, il y en avait déjà deux. Hop. Alors, on va se faire de la terre. Il nous faut de la terre. Donc, pour faire de la terre, il faut qu'on se fasse un composteur. C'est déjà pas mal. Pour se faire un composteur, bah, c'est pas compliqué. Par contre, après, il faut aller l'alimenter. Donc, le mieux, ça serait avec des feuilles. Mais est-ce qu'on a. Et merci, Doc Tesla. Tu as offert un abonnement à Olivier. Merci à toi Doc, merci pour le soutien, puis merci pour Olivier, qui va avoir une petite carotte. Et salut Elode, merci pour le suivi. Allez, donc j'ai enlevé. Ah ouais, j'ai enlevé le message et Lynn lui a mis un timeout de 600 secondes. Ouais, pas de. Ça sent l'arnaque ça. Donc merci, merci Doc. 19e cadeau. Merci à toi, un gros gros bisou. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'il fallait. Ah ouais, que je regarde le craft pour les cisailles. Donc en anglais. Déjà c'est dur habituellement, mais alors là.
Vu que j'ai la tronche des chires, et il faudrait des chires en bois. Ça existe, hein, des chires en bois. Des clés chires. Ah ouais, les chires en... les cisailles en argile. Non mais eh, sérieusement. Steel, platinium, nickel, aluminium, plomb, argent, étain, cuivre, cire morite, diamant, gold. Ah non, ils les ont virés. Inferium, prudentium. Salut Valou. Ah, ils les ont virés, les. Ils les ont virés, celles en bois. Mais on pouvait pas les faire dans la dernière version parce qu'elles étaient. C'était la même recette. Qu'une autre. Ah, elles y sont plus. Elles y sont plus. Bon, ben. Tant pis, on va le faire avec du fil. Enfin, on va regarder, hein. Dans le compost qu'on peut y mettre. Alors c'est compost ou c'est wooden barrel? Parce qu'il y a le composteur de compost de Actually Addition, mais j'avais utilisé. Industrial foregoing. Wooden barrel. Voilà, il est là. Donc c'est 6 planches et une pluc. Et donc dedans, on pouvait faire plein de trucs, on avait vu ça au dernier épisode, hein, y compris de l'argile par exemple. C'est pas ça que je voulais regarder. Et dans sa fonction compost. Ah, on peut mettre des pousses, je crois. Des pousses d'arbres. Ouais, c'est ça. On peut mettre des pousses d'arbres aussi. Faut juste les récupérer, quoi. Hop. C'est une idée où il fait un temps de bras sur ce serveur. Et hop. Allez, on va aller le poser là-bas. Ouais, ou là. Donc il n'y a plus qu'à le charger. Allez, on va twerker. Twerkons les amis. Poup. Voilà. Déjà twerker. Je peux faire un croc quand même. Un croc monsieur. Parce que ça améliore la récupération des pousses. On a plus de pousses. Et quand c'est infecté par un ver, on peut en plus allez. On peut récupérer du fil. Ouais, il fait un temps de bras. Ouais. Temps picard ça. Ah bah j'en ai récupéré un de ver. Faire attention de ne pas tomber. Allez, on y coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Je pourrais peut-être faire un outil en co bleu. Ce serait pas mal l'outil en co bleu. Alors comme d'hab, j'ai des soucis avec le contrôle. Surtout que pourtant j'ai mis sensibilité 80%. Ce truc là, ça m'en kikine. Là elle est bonne, hein, dans l'inventaire elle est bonne. Mais on le réutilisera plus tard. Oh bah c'est rempli de flotte. Non sérieusement. Sérieusement. Je vais faire quoi moi? C'est le nord. Bienvenue sur Holycube, dit Schtroumpf. Salut Schtroumpf. Et merci Doc pour le cadeau que tu viens de faire à Schtroumpf. Justement, on parlait de Schtroumpf.
Merci Doc, un gros bisou, merci pour le soutien et merci à toi pour tout ce que tu fais. Donc, oh tiens, il y a un verre là. Je fais quand même pas le vider avec un bol et tant pis, on va en faire un autre, mais on va attendre qu'il pleuve parce que il va aussitôt se remplir ce crétin de wooden barrel. Oh là 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 faut que je fasse ma maison, moi. Pour avoir un petit abri. Allez. Oh. Bon, ne pas taper les cailloux avec des pouces. Des bisous, Doc. Bonne fin de journée à toi. Et plein de bonnes choses. Surtout pas d'enrubage. Hop. Je trouve qu'il avait déjà le diamant VIP. Il a gagné un de nos concours. Tatatan. Allez, pop. On va faire une maison. Après la maison en bouse. Bah dans le paquet rouge. Oh, elle était sympa ma maison en bouse. Oh, on va faire de la dalle. On va faire une maison en. Une maison en cobble. Non, maison en pierre, c'est déjà plus. Moins bizarroïde. On pourrait la faire là. Ouais, je fais des bisous, mais. Heureusement, ils sont pas transmis par internet. Pas encore. On n'a pas un internet de ce style. Allez, tac, tac, tac. Comment on activait le mode pour avoir les lumières, les zones pas bien éclairées? Vous vous en souvenez? Avec le gisel, on a de la cobble pas trop moche. Ah oui, j'y pense pas, chisel. Chisel, 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 chisel. On va se faire un premier petit ciseau. Ah ouais, mais il va falloir du. Le premier, il est déjà avec un lingot de fer. Ouais, donc après c'est du diamant. Ouais. Oh, il y a même un i-chisel. Donc les ciseaux, ce sera pas pour tout de suite. Donc pour l'instant, on va faire du brut. On va faire du brutal, c'est-à-dire on va faire en bois. Ah bah ça fait du bien. Hop, vite, profitons-en, vite, vite, vite. Ah, il m'en faut combien de pouces? J'ai pas regardé. 8? Ouais, j'en avais 9. Ah, c'est parti. C'est parti à composter. Donc on va se faire de la terre comme ça, tranquillou. Ben on va se faire une zone de tamis pour avoir de tamisage pour avoir du fer. F7 pour la lumière. Ah ouais, nickel. Merci Gilles. On va mettre deux petites lanternes. Même si comme je suis prêt, hein, on avait dit. Ils peuvent pas spawner les bestioles. Salut Oukari. Et hop, j'ai de la terre. Mon premier truc de terre. Alors. On va se doubler notre capacité à produire. Du bois. Hop, hop. On va étendre un petit peu la plateforme, histoire de bien récupérer les pouces.
Oula, déjà? Alors c'est inverted. Ah, attention, éternuement. Hop. Désolé. C'est inverted parce que il faut un signal de redstone pour les couper. Alors si elles n'avaient pas été inverted, il faudrait un signal de redstone pour les allumer. C'est le signal de redstone qui les alimente. On peut le faire tout de suite. Voilà. Hop. Oh. Oh ben, c'est ballot. Heureusement que c'est pas des denrées. Allez, on va twerker un peu. Avec ça, j'ai même gagné une pomme. Oh ouais, c'est nickel. La rapidité où ça va. C'est pile ce qu'il faut. Le dernier coup, fallait. J'étais resté au moins 5 minutes à me secouer là comme ça. Ah ben. Il est mort le croc. Hop. 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 Salut Warlook. J'espère que j'oublie tout le monde. J'oublie personne. Je suis pas à 100%, je suis désolé. Hop. Pourquoi à un moment donné, tout tombe d'un coup? Ah, c'est quand c'est plus rattaché à l'arbre. Faudrait que je fasse d'abord les bords. Ah. Ah, ah, ah. On va peut-être se faire une hache un peu plus... C'est un peu de la... C'est un peu du brun, hein, je... Hop, allez les pommes. Manger des pommes, dès qu'on aura faim, on aura une pomme à se manger. La faim, elle descend pas... C'est bien, hein, c'est impeccable. Donc, avec le reste des pouces qu'on a en trop, impeccable, on en a 8, on se fait de la terre pour pouvoir... Ah zut, j'ai pas poussé assez fort, j'ai pas dû le couper. M'excuse. J'avais dit, hein, ça serait ASMR... On renifle, on tousse, on est content. Du coup, j'ai gagné un truc rempli de flotte. Bon, quantité 1000 milli bucket, 1000 milli seaux. C'est déjà ça. Hein. Ah, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait qu'on fasse? Toc, 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 toc. Un petit peu de fer. Donc pour avoir du fer, il faut du gravier. Et le gravier, il faut le passer dans des tamis. Et pour faire un tamis, il faut du fil. Donc il va falloir qu'on s'infecte un arbre. Ouais, c'était pas audible. Bah tant mieux. Ouais, parce que j'avais remonté le... Mais le micro se coupe, mais quand il est complètement remonté. Et j'ai vu qu'il n'était pas remonté parce que dans la barre du son... tout à l'heure j'avais coupé là le son, mais là je l'avais pas fait. Allez, twerk. Oup. Et voilà. Alors, il faut que je fasse d'abord l'extérieur. Ça sera mieux. Alors, je sais pas si on peut en faire des plus costauds. C'est... Ça s'appelle... des crooks comme les chaussures crook, alors des wooden crooks, et après on passe à la... Ah, c'est en stone. Ah oui, mais c'est pas de la stone. Ouais, il faut du... il faut de la stone pebble. Ouais, ok, de la stone pebble. Et pour avoir de la stone pebble, ah ben on en a en passant la compressed dirt dans un tamis en ficelle. Oh non, mais exagérame. Oh, et de la compressed.
pas de la normale. Et on, c'est pas mal, passer de la compressed. Ce qu'il y a, c'est que pour faire de la compressed, il en faut 9. Il va falloir que j'augmente mon compostage. Ah là là là, c'est pas gagné tout ça. Ah, j'aurais dû l'infecter. Mais je suis bête. Mais qu'est-ce que je suis... En fait, non, je suis pas bête, je suis surtout malade. Hein. Mais bon, je voulais faire... Ça fait un moment que je... J'étais un petit peu en manque de live. Hein. Même si c'est pas un live à 100%, j'étais un petit peu en manque. Vous me manquez un petit peu. Oh, déjà cassé le truc. Hop. Regarde dans le tamis normal. Le tamis ficelle. Ah bah lui il est passé. Alors je vais mettre un bestiola. Hop. Voilà, il est infecté. Oui, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 22, 36, 48. Ah ouais, alors je vais faire un... Hop, 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 hop. On va faire une hache digne de ce nom, et puis... celle-là, on va l'encadrer, c'est notre première hache. On va la garder, la première hache de Z. La hache à Z. Et hop, 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 hop. De toute façon, pour chaque arbre, à chaque fois, on se fait un tonneau de terre. Hein. La recette du caillou, ça doit être de la terre normale dans le tamis normal. Ouais, là, c'est pas un caillou, c'est un stone pebble, c'est pas un pebble. Voilà, j'ai pas coupé le micro, hein. On peut en profiter à fond, bande de petits vénards. Alors, le sieve, puisque le tamis ça s'appelle sieve hein, en anglais. Vivement que je le repasse en français ce truc là. Sieve, 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 sieve. Oh 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 oh, sieve, sieve, sieve. Ah ouais, il y avait une astuce. J'avais fait le dernier coup, je m'étais planté, j'avais fait un divi parce que j'avais pile le premier, alors que c'est le deuxième qui compte. Hein. Alors si on passe dans le string mesh de la dirt normale, ouais t'as de la, ouais t'as raison, hein, Gilles. En fait on doit avoir la même truc, mais l'autre dans les autres sets il met compressed, mais si on passe de la normale on a deux fois, on drop deux fois 100% de chance. Je comprends pas trop leur statistique là. On a deux fois 100% de chance, deux fois 50% de chance et deux fois 10% de chance. On verra bien. Donc on va se faire un sieve. Il y a quelqu'un sur le serveur ? Sur Uranium Mode ? On va y dire bonjour. Salut. Pop pop pop. Donc on va se récupérer, ouais, du fil. J'ai une quête. Salut Sirodope. Bah t'es pas rancunier. Hein. Bon après 600 secondes, vous êtes peut-être un peu dur, il est un petit peu...
Bah, il est jeune, quoi. Là, il faut que je fasse gaffe que de pas tomber, hein. Oh là, encore pété. Bon, là, du fil, ça devrait aller. Hein, on va dire que c'est bon. Donc, maintenant, on va se faire le tamis. Le tamis est constitué de deux parties. La première partie et la deuxième partie. La première partie. Hop, voilà. Et la deuxième partie. Alors, c'est. Pourquoi il apparaît pas quand on fait sieve? C'est pas. Ah non, c'est parce que c'est mèche. J'aurais des mèches. Donc, oh bah oui, je m'en souviens maintenant. C'est pas vraiment compliqué. Bon, on va s'installer par ici. Là, c'est là où on fera nos constructions, nos usines. Enfin, nos usines. On va y aller doucement. Donc, côté usine, je pense que ça va. Je suis trop gentil. Ouais, je suis trop gentil. Surtout quand je suis malade. Je suis plus. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Ah ouais, pour passer de la terre dedans. Hey, ça m'en donne 4. Oh 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 oh! Plus du granit pebble. Du granit pebbleux. Oh, puis en plus, là, j'ai la quête graine. Ouais! Ouais, pour passer la terre. Alors, on va aller chercher. On va aller clémer nos quests. Amis de l'anglais, vous êtes les bienvenus. Ah ouais, mais ils ont pas. Il a pas relié les trucs. C'est peut-être fait exprès. J'aime bien quand c'est relié, ça te donne un fil directeur à ce qu'il faut faire. Donc j'ai un wooden crock, j'ai un verre à soie, silkworm, et 32 stringes qu'il fallait. Bon, bah, on va continuer à prendre celle du milieu. Hein. Clem. Hop. Et on va réclamer notre dû. Qu'avons-nous gagné? Oh, un unbreakable wand de Better Builder Wand. Unbreakable wand. Vous allez me dire à quoi ça sert? Je sens que vous allez me dire à quoi ça sert. Alors les trucs bizarroïdes que je vais pas utiliser tout de suite, je vais les mettre à droite là par ici. Truc bien cheaté, je crois bien. Ouais, c'est plus ce que j'avais gagné dans l'autre. C'était un machin pour construire les plateformes hyper vite. Pac, 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 pac. Ah oui, j'ai du fil, je vais pouvoir faire de la laine, on va pouvoir faire un lit. Hop, il m'avait pas vu. Pau grave. Pouc. C'est pour placer les blocs plus rapidement. Tu avais fait la wand en pierre la dernière fois. Ah oui, je l'avais fabriqué. Ouais. Je suis balade. oh 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 oh, on va se reprendre notre wooden. Ah ben oui, on va le casser puis on fera une stone croc croc. Et puis après, on va transformer notre. On va le garder cet ami, mais on va en faire un autre après. Il nous faut du flint pour pouvoir faire un mèche en flint. Oh là là! C'est quoi ce truc là? J'ai des pumps? J'ai des pumpirs? Des pumpiches? Oh là là! C'est fait hein!
Alpes. Ah ouais, c'est vraiment de la méga triche à l'origine. Je crois que je vais pas l'utiliser comme ça. Je crois que je vais pas l'utiliser, c'est trop triche. Quand même un minimum de déontologiesque. Alors, il me faut... Pour récupérer des minerais, faut que je fasse un tamis. Ou faut que j'en... au moins, faut que j'en fasse 9. Mais là, pour l'instant, on va en faire un. Et il faut un tamis en flint. Donc, il me faut 6 flintes. Donc, les flintes, pour les avoir, le plus simple, c'est quoi? C'est de casser du... C'est de tamiser du gravier. 25% de chance. Ouais, parce que casser le gravier à la pelle, ça marche toujours ou... C'est peut-être moins efficace. 25%, c'est pas mal. Par contre, il va me falloir un marteau. Si j'avais un marteau. Et je crois que je vous l'ai déjà fait le coup du si j'avais un marteau. Hein. Alors, tac, tac. Oula, c'est mal parti. Tac, tac. Eh ben, nickel, Orion, si je t'ai occupé. Bloc de gravier dans l'inventaire. Non, j'ai pas de bloc de gravier dans l'inventaire. J'ai de l'andésite bleu, du granit bleu. Et pourquoi j'ai toujours... Ah oui, non, j'ai toujours 4 stones parce que j'ai toujours pas fait mon croc. Voilà, mon stone croc. Alors, durability. Celui-là avait 64. Celui-là, il a 128. Hein. En fait, il dure juste 2 fois plus longtemps. Quoi. Allez, on a 9 pouces. On va aller se refaire de la terre. On chôme pas, hein. Allez. Hop, hop, hop. On est au début de l'aventure. Oh, oh, aventure extraordinaire. Donc, on va se prendre... de la stone. Hein. Le monde est stone. On a notre marteau. Et paf, si j'avais un marteau, je taperais de la cobble. Ta 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 ta, et j'en serai très heureux. Donc j'ai du gravier, je vais le passer dans mon sieve avec mon strange mesh. Et là, et j'ai rien là. Scandale. Et c'est 25%. J'en avais combien? 10. Donc je dois en avoir 2,25. Bon, ça va, j'en ai 3. On va pas trop râler, hein. Mais que ça se reproduise pas. Hein. Allez. On va se faire de la cobble. Alors, et Gilles dit, pour faire du silex, le plus intéressant, c'est le gravier dans l'inventaire. La table de craft. Toi aussi, tu comates. Et pourquoi tu... Ah oui, dans la table de craft. Et il se transforme directement? Moi, je trouve que c'est un peu triché, ça. Hein. On pourrait pas dire... Alors, il y a des trucs. Je vais peut-être faire d'autres coffres pour ranger... On va essayer de s'organiser un petit peu parce que le problème du modé... C'est qu'après, il y en a partout, quoi. Donc, les cochonneries un peu bleues, là. On va les mettre, là. Après, je ferai des coffres plus costauds, hein, mais pour l'instant... Toc. Comme je sais pas trop encore où je vais mettre ma maison. Et là, je vais mettre les machins un peu naturels. D'ailleurs, au niveau des quests, si je peux m'exprimer ainsi...
la sirodope. Ouais, on est un petit peu chatouillé sur certains termes, donc faut que tu fasses attention. Sinon, tu es le bienvenu. Tu ranges. Non, je ferai pas, Pliède. Et salut Xénon. Alors, dans les sites collection, ouais. On a trouvé des graines. Donc je prends toujours celle du milieu, hein. Je clème. Oula. Il est où? Qu'est-ce que je vais gagner ce coup-ci? Cornet bif hache. Ah non, ça va me rappeler l'armée. Ah, on peut très très bien se passer d'Apliède. Alors, je dis exprès, je le prononce exprès mal. Hein. Ça m'énerve de prononcer correctement l'anglais. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est que... ça me fatigue. Puis là, je suis particulièrement fatigué, vu que je suis balade. H, c'est quoi, alors? C'est quand même pas du H, du hakik. Ouais, j'en ai 4, hein. C'est, ça a l'air super nourrissant, ça. Le... Plop, 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 plop. Oh, bah tiens, on va mettre les verres ici. A priori, on n'a plus besoin, hein, parce que... Et puis, bah, on va se refaire du... on va se refaire du gravier, hein. Ah oui, j'en... Oh là, j'aime pas ces arbres-là. Oh non. Allez, on va se refaire du gravier. Parce que ça, ça m'énerve, ces arbres-là. Ceux-là, ils sont plus sympas. Attends, on va casser celui-là. Ah ouais, mais du coup... Oh vache, l'autre, il a poussé dans l'arbre. Ah, puis il y a l'option dans le mode qui remplace... dans l'inventaire. Ah, j'aime pas ça non plus. J'aime bien gérer manuellement mon inventaire, moi. Le nom des titres s'affiche en bas à gauche. C'est pas des groupes connus, hein, c'est des gars qui font du... de la musique sous licence libre. Donc du coup... Parce qu'il y a des gros problèmes de licence, hein, dans les vidéos et dans les streams. Hop, allez, on va monter là. Hop. Alors dans le rock, je mets beaucoup de Audionautics. On trouve ces musiques dans le truc de créateur de YouTube, mais surtout sur audionautics.com. Et puis il y a le Kevin MacLeod. Alors c'est des gens, en fait, ils font tout style de musique, mais Audionautics, il fait pas mal de trucs rock et même de trucs assez pop qui déménage pas mal. Et Kevin MacLeod, il fait un peu tout style de musique et il est assez connu, bah, dans le monde YouTube, streamer et compagnie, parce que justement toutes ces musiques sortent en Creative Commons, sous licence Creative Commons, et bah c'est bien pratique puisqu'on peut les réutiliser comme ça. Pop. Alors, qu'est-ce que disait Egil? Non, la table de craft. Alors, si je fais un U. Pop, le crafting. Il faudrait mieux que je parte du silex, en fait. Puisque c'est... l'utilisation du silex que je... Deux graviers. Après, ça dépend du mode, hein. Ils l'ont peut-être désactivé, ça, hein. Alors... Non, ça doit dépendre du mode, hein, qui crée la recette. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon,
Avec 10, on en avait eu 3. Avec 12, a priori, on va avoir les 3 qui nous manquent. Allez, on spamme le truc. J'avais fait ça la dernière fois. Ah. Je les avais pas fait par le... Peut-être dans le truc direct, alors. Il me semble que j'avais... Parce que j'avais utilisé le sieve. J'avais fait même un Eevee, je m'étais trompé. Ah, zut. Le rendement est pas terrible, hein. Ouais, j'en ai eu que 2 sur 12. 2 sur 12, ça fait pas 20, ça fait pas 25%, hein. Excusez-moi. Donc bah on va s'en refaire encore une petite fournée. La barre de vie, ça va, hein, le... Ça fait quoi, une heure de jeu que je joue? Parce qu'on a papoté avant de lancer. J'ai lancé un peu tardivement, on a papoté. Donc une heure de jeu. Donc ça fait au moins 3 jours Minecraft. Toujours pas faim. On est en quoi? On est en calme. Ah, on est en facile. Ouais, 13. À 6. Par contre, il en faut... Ah oui, il faut se refaire un... pour ça qu'il faut avoir quand même pas mal de... De ficelle. Et tac et tac et tac. Voilà. Après, est-ce qu'avec un truc comme ça, j'obtiens plus de choses si je passe du gravier là-dedans. Ah oui, j'ai 25% aussi pour trouver du... du flint. Parce qu'après, je sais plus ce qu'il fallait passer pour avoir de... De l'iron. Ah, c'est du gravier. Ok. Ouais, à ce niveau-là, dans la recette, il met compressed à chaque fois, mais c'est compressed ou pas, quoi. Salut Wulfrod. Ah, question intéressante. Et là, c'est dans l'iron. L'iron, ça donne plus des trucs. En plus, ça donne des gemmes, quoi. Oh, du diamant. Oh vache, le robot, il est pas gentil, hein. 95 ans. Donc, c'est moi. Ah, je croyais que j'étais le doyen des streamers, mais je sais plus qui m'a dit que il y en avait un plus ancien que moi. Bon après, comme personne connaît mon âge, puisque c'est un secret. À ceux qui le savent, je suis obligé de les... C'est surtout qu'à chaque fois, je regarde le premier onglet. Non mais... Comment j'ai fait? Ah, mais il n'y a qu'un seul onglet. Ah non, le Eevee. Ah, ok. Ouais, deck. Ok. Ouais, il faut regarder le pas Eevee. Du coup, avec le pas Eevee, faut bien du flint et drop par 7.
7 fois 25%. Ah ouais, mais... Ah oui, non, là c'est du EV. Et le pas EV, c'est 25%, il donne K. Ouais. Ouais. Admettons. Oh, du coup, là, je l'ai chargé. Ben, je l'ai chargé pour rien. Donc, on va faire un sieve normal. Ouh là là. J'espère que ma voix va tenir encore 40 minutes. Hein. Oh, je pense que ça va le faire. Ah, il me manque des planches. Donc, c'est deux planches, deux bâtons, une dalle. Ah, il manque... deux planches, deux bâtons, une dalle. Et hop. Bon, on va s'installer, a priori, là, c'est celui où on va mettre notre 9. Donc, on va s'installer ici, et puis on l'agrandira au fur et à mesure. Donc là, on va mettre... On va étendre un petit peu le... Enfin, pas trop s'étendre non plus, parce que il faudrait pas qu'on aille embêter le voisin, quoi. Il a 500... A priori, il a une chance d'être à 500 blocs, là-bas. Oh là. Ah ouais, pas de pioche. Poup, poup. Voilà, merci. papa, zut. Ah ouais, on peut faire directement... Ok. Oh, j'ai un avancement. Et hop. Voilà, ça sera quand même plus sécurisant. Hein. J'ai le vertige. J'ai le temps avant de rencontrer le voisin. Là, c'est le premier épisode, mais au deuxième, je vais aller encore un peu plus vite. Et au troisième... Oh, riche. Alors, je crois qu'on avait mis un... On avait mis un coffre. Par contre, si j'en mets 9... Si je mets un coffre, je les charge comment? Je charge les 9 et je fais le spam sur un seul. Et si le coffre il est au-dessus du milieu, ça va dans tout dans le coffre du milieu. Parce que là, du coup, j'ai mon inventaire bien rempli. Par contre, je me souviens plus ce que j'avais fait comme coffre. Et je l'ai pas noté, ça. Mais Gilles va nous le dire. Il y a un petit peu froid monté. Hop, me revoilà. Ouais, j'ai un tiron. Un de fer. Un d'or. Ouf, un item collector. Moi, je sais plus qui m'avait dit le truc. On va retrouver. C'était quoi? C'était quand même pas un chest. En plus, on a tous les iron chests, mais bon, c'était au départ pour partir sur des trucs en bois, ouais. Parce que là, tant qu'on n'a pas de métal,
Ouais, c'était pas... Ouais, merde, zut, je veux dire. Je l'ai pas noté. Ah, il faudrait que je regarde la rediff des... La rediff des trucs. Parce qu'on pouvait en mettre pas mal dedans. C'était pas mal. Pire, on met un geste de base, hein, parce que il n'y en a pas 36 000 sortes, hein, de trucs. Si ça marche. Fait tac tac. Alors. Ah, j'ai quand même eu 4 flintes. Hein. Allez. Oh, zut. Elle fléau. Faut mieux avoir rien dans la main quand on fait ça. Ouais, rien dans la main. Ouais, rien dans la main. Je cherchais un gros truc de stockage qui se fabriquait en bois. Enfin, un truc plus gros que le chest classique. Hop. Déjà, je vais avoir pas mal de petits peu bleus, de petits cailloux. Hop. C'était le crâne. Ça me dit rien comme nom, mais... C'est vrai qu'il y en a là. Il y a l'air d'y en avoir pas mal. C'était pas un truc de Tom Craft. Ah. Oui, mais non, immersive. Immersive, c'était trop compliqué. C'était celui de McCaffrey, fourniteur mode. Le gravier, c'est deux. Deux en haut sur la gauche. Oh, c'est rigolo ça. Comme le four est à côté, il est lié. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment très très rigolo. Particulier. Le deuxième sur la ligne du haut pour le crate. Small storage crate de Actuali Edition. Ah oui, ça me rappelle quelque chose avec les quatre coffres. Et puis un wood casing. Ah ouais, ça me rappelle quelque chose maintenant. Ouais. C'est celui-là qu'on avait fait. Mais bon, après, le but, ça, c'est de remettre dans un four les trucs. Hop. Après, faut voir si ça... Ah ouais, ça marche. Il y avait 4 flintes, il y en a 5. Et dès qu'il y en a 6, on va se mettre un autre tamis et puis on va vérifier que... Et voilà, il y en a 6. Allez, on se refait un...
Hop, hop, hop. L'autre c'était. Alors de mémoire. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Ah, bah c'est une bonne chose. Ça veut dire que ma mémoire est pas complètement. Blam, 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 blam. Parce que là, si j'en mets un là et un là, si je clique ici, ça fait les deux en même temps. Ah non. Ah, si. Ah, une fois que l'autre est vide. Bah maintenant je récupère les trucs. Ah, il faut un coffre au-dessus de chaque. Après je peux étendre, je peux mettre un double coffre. Ah, j'ai surtout plus de. Ah oui, ça fait par deux. 6, 4, 2. Et hop, a pu. Et j'en ai récupéré que 4. Attention. Des enrumages comme ça, c'est qu'après on a le terrain ou esquinté. Esquinté. Alors, on a récupéré du charbon, ça c'est très cool. Et du lapis-lazuli. Et on a nos quatre premiers trucs. Donc, on le craft. Voilà, on a un gros chonk. Et le chonk. Hop, pardon, on peut. Je sais pas si ça va suffire. Pop. Et si on regarde ici. Ah ouais, on a le truc. Pop. Ouais, c'est pratique ça. Ok, nickel chrome. On va regarder le livre de quête. Est-ce qu'on en a des. Ah bah non, on n'a pas des nouvelles. Tac tac. More Advanced Tinker. Alors le problème c'est que. Bon, je pense qu'ils sont encore en train de bosser dessus parce que là c'est pas du tout ordonné quoi. Tiens, c'est marrant quoi. Sieve tier 1. Faut avoir des saplings de. Ah, ok. Salut Azuma, merci pour le suivi. Re-Royon. Ah, d'accord. Il faut que j'obtienne tout ce qu'on peut obtenir avec un. Avec un tamis de premier niveau. Oh là, je suis sorti. Par contre là j'ai accès à toutes les quêtes. Donc je vais peut-être pas faire. Si le livre de quête est pas fini, je vais peut-être pas le faire. Ça m'embête un petit peu. Dans Botania, ça a l'air relié. Mais pas pour le béguinage. Le béguinage, on a accès à tout en fait. Après c'est le béguinage, il faudrait quand même le faire en premier. Mort avant cette Tinker, on commence tout de suite par faire un. Un smart output et un bassin upgrade. Et après le advanced tinker. Oui, on se fait un.
On se fait un four, quoi. Un four tinker, un haut fourneau, quoi. Après, make a kitchen. Ah bah là, c'est tout le truc cooking for blockheads. Ouais, ok. Bête. Ouais, c'est des trucs de PAMS. PAMS Servercraft. Into Smeltery. Ah bah ça, c'est le début. Il faut du Groot. Ah, puis on a le civ ici. Ah, il faut en faire 9. Ok. Celle-là, on peut se la faire facile. Par contre, pourquoi il me dit que j'ai 0? J'en ai déjà fait 2. Salut Stradivarius. Ah, il faut pas les. Il faut les fabriquer, mais il faut les avoir dans son. Oh, si c'est ça, c'est pas gentil. Ah, zut. Ah. Oh, mais. Alors là, pour le coup, c'est trompeur, hein. Alors, hop, je le mets dans mon inventaire. Je rappelle le bouquin. Ah, ok, faut que je les aie dans l'inventaire. Ah, le petit vicieux. Je peux le casser pour le récupérer et d'en crafter un autre. Ouais, mais là, il va y avoir un truc pas RP. C'est que mon coffre, il va être en l'air. Et je peux pas. Vous voulez quand même pas que je mette un bloc de dirt en dessous, quoi. Parce qu'après, il y a des gens, ils vont faire des tweets en disant ouais, il fait des trucs pas RP. Ah, tiens, il va mettre un. Ouais, parce que c'est comme ça, il met un truc de dirt en dessous. Tiens, ah bah, puis. Voilà. Tiens, puis on va en mettre un deuxième, voilà. Voilà. Un coffre posé sur de la dirt. Quelle horreur. J'ai récupéré mon gravier, là. Ah, j'ai pas récupéré mon gravier. Surtout, j'ai pas récupéré. Ah, ils sont partis dans le. J'ai perdu les mèches, les flinted. Ouais, si, on se demande, hein. Alors, Stradivarius, il y a des. Il y a un programme, mais là, je vais partir en vacances. Le modé, c'est le mercredi. Pop, 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 pop. Mercredi à 15h, normalement. Là, je suis malade, donc j'ai eu une petite interruption et puis je vais partir une semaine en vacances. Et j'ai une chaîne YouTube où je fais les rediffs, sinon il y a les rediffs sur Twitch. Pff, classique, quoi. J'avais fait un small storage crate. Ouais. Small storage crate. Mais là, je viens de perdre mes flinted. Quand j'ai cassé les deux trucs. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Sauvé. On pourrait presque croire en l'existence d'une force invisible. Et qui ferait des miracles. Hein. Mais les développeurs de Minecraft ont tout prévu. Bon, il m'en manque 5. Il m'en manque 5 de sieve. Hop. À la vitesse où je vais, le mode. Je sais pas. Je l'ai pas fini avant. Avant un sacré bout de temps, non?
Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Peut-être falloir que j'accélère un petit peu quand même. Bon, là, c'est la première. On se retrouve après... Combien il fallait que j'en fasse? 5. Donc là, c'est bon. Tac, tac. Tac, tac. Nickel chrome. J'en ai 9. Je vais pouvoir réclamer... Ouais! Je vais pouvoir réclamer mon loot chest. Et c'est que des... Que des cadeaux. Oh, j'en ai déjà eu un. Extrême package craft. Faudra que je regarde à quoi ça sert, ce truc-là. Non, mais si j'ai toujours les mêmes choses, ça peut pas aller. Ouais, deux. Bonne soirée à toi, Olivier. Merci d'être passé, hein. Et puis après les vacances, bah repasse quand tu veux. Ouais, puis de toute façon, moi je vais jamais vite. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires pour dire c'était pas mal que. C'est vrai que j'ai regardé des séries de modé où les gars ils vont. Blablabla. C'est même. Pour moi, c'était même un peu trop. Trop rapide. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Après, bon, c'est le début. Dès qu'on sera plus équipé, on va se faire des machines. Alors, c'est fait en live. En épisode, les trucs rébarbatifs, on peut les sauter. Alors, c'est fait en live, mais bon, s'il y a des trucs rébarbatifs à faire, je m'arrangerai pour les faire hors live. Hein. Salut, œil d'aigle. Et puis le mode pack, il est riche, hein. Il y a pas mal de... Combien il y a? Il y a 267 modes. On les fera pas tous, hein. Moi, j'aimerais bien en profiter. Il y a quand même, il y a pas mal de modes que je connais pas. C'est ça qui m'intéresse parce que juste, du coup, bah, se faire ça sous forme de quête et autres, c'est pas mal parce que ça permet justement de. Ça te permet justement bah, d'apprendre de manière sympathique les. Qu'est-ce qu'on avait fait avec le dust l'autre coup? Ah, c'était pour faire de la bonne mille. Oui. Parce qu'après derrière, quand on tape avec le marteau, on a de la bonne mille. Ouais, c'est, il les a pas du tout mis dans le. Oula, celui-là il est costaud. Ouais. Ah, par contre, Consumno, lui il l'a compté, le wooden barrel, alors que j'en ai pas dans l'inventaire. Hein. Ouais, tiens, il est bizarre le livre de quête. Par contre, c'est un petit peu là pour le coup, il faut vraiment bon, il faut trouver, il faut fabriquer 16 terres, 16 netherracks, tous les trucs quoi en fait, qui est possible de faire avec ces avec ces barils de pierre et de bois. Donc nous, on a déjà fait 2 terres. Alors, il y a les deux que j'ai enlevés ici, mais on en a déjà fait, en fait, on en a fait 3. Hein. Puis on va pouvoir s'en refaire. Oh, on a dû le prendre, c'est sûr. Hop. Ouais, faut pas regarder de trucs en conduisant, Orion. Oh, pardon, j'aurais dû. Je mute.
Hop, me revois-je. Par contre, quand je me mute, du coup... Ah si, vous avez la musique. On va regarder le bou... On va regarder le bouquin. Ouais, là, je suis bien à 3. Peut-être qu'il faut ouvrir le bouquin pour que ça soit pris en compte. Et là, parce que en fait, j'en ai fait 4, hein. J'en ai 3 dans l'inventaire. Ah, ou alors il faut avoir il faut les avoir dans l'inventaire. Faisons une petite expérience, hein. Hop. Ah ouais, ok. Pour cela, il faut les avoir dans l'inventaire. Ce qui est bizarre, c'est que le wooden barrel, par contre, lui, il est bien considéré comme complète. Ah oui, parce qu'une fois que je l'ai dans l'inventaire, paf, il me le met comme complète. Là, tant que j'ai pas les 16, il le laisse en incomplet et... Ok, dac. Bon, lui, un de ces quatre, il va falloir le couper, mais... J'aime pas ça. J'aime pas ces arbres-là. Alors, on va bientôt l'avoir cassé. En plus, il peut y avoir des mobs qui spawnent ici. C'est cool. Particulièrement costaud celui-là. Est-ce que j'ai mis ma hache? C'est que ça va donner du bois. Hein. Hop, il en reste encore par ici. Ouais, y a oui, il y a des techniques comme ça. J'avais vu ça quand j'avais regardé la machine, la ferme à bois de. J'ai oublié son nom. Il Mango. Hop. Plein qui tombe sur le côté. Bon. Mais bon, il y en a plein au milieu, là. Heureusement que ça produit du bois. Pop, pop, pop. Et aussi, bizarrement. Mais j'ai pas mal de pousses. Ça va me remplir mon petit tonnelet. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on va... On va se refaire augmenter la plateforme. Ouais, on enlève ça. Il y a un mode bonsaï, ouais. Il y a le mode bonsaï. Bonsaï pot. Et là, il faut de la brique, donc il va falloir faire de la clé. Et on l'a vu, on a vu que la clé, elle était dans le, elle était là. Pour l'instant, il faudrait que je fasse 16 de dirt. Mais comme il n'y a pas mis d'ordre. Il reste 10 minutes de live. Salut Sir Trotto. Et salut Nanin, merci pour le suivi. Sur l'argile, c'était assez facile à faire. Hein. Oui, c'est avec le.
faut un stone barrel. Il faut mettre du dust, donc de la poussière dedans, avec de l'eau, et ça donne un bloc de clé. Ouais, c'est le plus simple, hein. Et la dust, on avait vu que c'était pas bien compliqué à faire. Il fallait de la cobble, un coup de marteau, ça donne du gravier, un coup de gravier sur le, un coup de marteau sur le gravier, ça donne du sable, un coup de marteau sur le sable, ça donne du dust. Et alors, ce que je ne sais plus, c'était pour faire la bonne mille. Ah oui, on passe le dust dans un tamis, et on a 20% de chance que ça donne du... donc un tamis normal, avec une mèche en ficelle, et ça, il y a 20% de chance que ça donne de la bonne mille. Donc c'est important pour avoir les graines, pour avoir le fertiliseur et tout ça. C'est bizarre que certaines quêtes ne se valident pas, genre le bois. T'as vu des quêtes avec du bois? Collect wood. Ouais, c'est parce qu'il en faut 64. Et là, j'en ai que 51. Ouais, il faut... Oh bah celle-là, elle est facile à faire. On va trekker un peu? Non. C'est pas trekker. C'est pas trek. C'est strek? Srek? Oh, je... Vrek? Oh là, bon. Enfin, on va se secouer. Comment t'écris, Sir Trotto? Ah, twerk. L'autre coup, j'étais content parce que ça allait vite. Mais là, ça va pas vite. Eh? Twerk. Twerk again. On va se secouer, ouais. Et il m'en manque... Il m'en manque 13. C'est un nombre premier. Bon, on va aller à l'autre, hein. Ah. Il est plus coopératif, celui-là. Mais il a pas l'air de... Allez, pousse! Pousse! Pousse, je le veux! Là, je vais le regarder d'un air mauvais. Parce que là, il se dit, il est tout faible et tout, il me fait pas peur. Faut chanter la danse des canards en même temps. Non, il y a du soleil. On va pas faire pleuvoir. Hein. Ah! Ah! J'ai cru que j'allais devoir attendre. Alors, c'est... Oh, d'ailleurs, remarque, j'en ai plein. Hein. 23. On va économiser notre truc en... Par contre, là, pour 13... Parce que là, on est à 57. Oh. Qu'est-ce que tu me fais? Allez, on va twerker celui-là. Excusez-moi, c'est la maladie. Salut Nocturno. Ah, c'est celui de droite qui bouge là. Allez, pousse, 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 je le veux. Pousse. Oh ben. Il nous a gâtés. Ah, c'est un petit. 58, 59, 60, 61. Hop. Eh ben, retwerk. Ouais, j'ai plus de... Ah, c'est celui-là qui a pris.
Hop, voilà, ça y est, j'ai la quête. Collect wood. On prend toujours celui du milieu, on clème. Alors qu'est-ce qu'on va voir ce coup-ci? Un secret d'Onut. Vous ne pouvez pas compréhendre ce Donut. Donut, c'est un beignet, hein, c'est ça. Avec un trou au milieu. Alors, on va regarder à quoi ça sert. Ça sert à... Ça se mange? Et de presque 2 heures de jeu. Et toujours pas de... Toujours pas la barre de faim attaquée. Bon, je cours pas, je fais pas des sauts, je suis toujours un peu au même endroit, mais j'ai quand même coupé quelques arbres. Tout de même. Tout de même. Bon, on va laisser les cochonneries ici. Les loots, c'est pas tip top, hein. Et bon retour chez toi, Fredo. J'ai le nez bien bien pris, hein. Bon. Et on va regarder les quêtes juste pour finir. Ah ouais, une tout smelterie, c'est le Groot. Pardon. Escavate. Ah carrément. Escavate modifieur. Mob farm. Il faut tuer 10 zombies. Ah, ça c'est pour la cuisine. Ah oui, qui était là. Ah, c'est dans cet ordre-là. Bon, bah le hammer, il va falloir qu'on casse des trucs. Bon, ça je le ferai tranquille hors caméra. Et après, il y a tous les... Ah oui, j'ai un... J'ai fait le lingot de... Il va être le temps d'arrêter parce que j'ai le nez qui coule énormément. J'ai tout le temps envie d'éternuer et je vais aller me prendre un... Je vais aller me prendre une tisane avec du miel et ça va me faire du bien. Voilà, salut Chinchi. Ouais, bah moi je vais arrêter le live, hein. J'avais dit 18h et... Et je commence à être un petit peu fatigué là, et pas trop fatigué en fait, mais surtout j'ai le nez vraiment pris et vous devez l'entendre à ma voix. Donc on se retrouve mardi prochain, hein. Je prends une semaine de vacances, j'aurai internet mais je pourrais pas faire de live, je serai pas chez moi. Donc Donc ça va être... ça va me faire du bien. J'espère que ça va vous faire du bien. J'espère que ça va pas vous faire du bien. Non, pas de rhum. Le dernier grog que j'ai pris, c'était il y a longtemps. Ça m'a mis dans un état pas bien du tout. J'ai pas du tout dormi de la nuit. Si je me mets une tisane avec du miel dans le nez, ça changera rien, petit œil d'aigle. Dans le nez, je vais mettre un petit peu d'eucalyptus. Huile essentielle d'eucalyptus, quelques gouttes sur un mouchoir et je le respire et ça me débouche bien le nez, ça. Mais il faut que je le fasse régulièrement. Bon, là c'est bon, ça va passer, mais donc je pense que pour les vacances, mon rhume sera complètement passé. Donc on se retrouve mardi prochain. Ça sera un petit live dans l'après-midi de redémarrage, ça sera sur du Holicube. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles sur le Discord. Peut-être un petit peu sur le Twitter. Et puis on va se quitter là pour ce soir. Je vais regarder si Roi Louis lance son bousin.
Ah oui, en plus il commence un nouveau truc, j'ai vu son projet. Donc je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence. Inhalation, ouais, mais le mouchoir avec l'eucalyptus, c'est nickel. Hein. 4 gouttes de 4 gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir. Pop, pop, tu respires 3 fois et ouh, ça dégage. C'est un nickel chrome. Donc, gros bisous aux modérateurs. Gros bisous aux donateurs hein, pour les soutiens. Plein de gros bisous. Puis gros bisous à vous tous. Alors, si ceux qui seront en vacances, je vous leur souhaite des bonnes vacances. Ceux qui seront pas en vacances, eh ben, je leur souhaite plein de bonnes choses quand même. Et puis, on se retrouve dans une semaine. Des gros bisous. Et puis, à bientôt. Au revoir. Pop, pop.